Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une variation sur le chim-chem de Frankie Manning. Si vous ne connaissez pas Frankie Manning, retrouvez dans la description de la vidéo des liens pour découvrir le personnage, l'homme et sa danse. On va commencer par des stomps avec la jambe droite, mais on va commencer par un ball chain sur le E8. E8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je répète ce schéma de l'autre côté, E8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et encore à droite, et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va utiliser un break inspiré du Big Apple, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait cette première phrase ensemble, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, et 8. 4, 5, 6, 7 et 8. 4, 5, 6, 7, break, ha, ha, ha. 5, 6, 7. Maintenant, on va remplacer les touches du chim-cham par une islap. 8 et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7. Ha, badam, ha. Slap, kick, ball change, marche. 8 et 1, 2 et 3. 4, 5 et 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, je tourne et j'arrive, ball change sur le 8. Donc cette séquence de knee slap, je fais un knee slap, ball change, knee slap, ball change, un knee slap et un kick ball change, puis je marche pour changer de côté. Après la séquence de knee slap, on va faire des tapis à knee, 1, 3, 4, talon, talon, pause, pause. C'est notre première variation de taquini. Deuxième variation, 1, 2, 3, 4, touch, step, kick, ball change. Donc je chasse ma jambe droite pour faire un kick ball change sur le 7 et 8. On a, pendant le cours, choisi de mélanger les taquini et ces deux variations. Donc on peut par exemple faire un taquini, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7 et 8. Et ici, on va de nouveau faire notre break. Donc attention, si on fait le kick ball change à la fin de ta tienne, le break est à gauche et donc va être donné 8, 1, 2, 3, 4, 5, L'idée du cours, c'est de vous proposer des options et ensuite que vous dansiez votre version du chim-cham à partir de ces variations. Je vais, avec les comptes, refaire la routine depuis les stomps. Vous pouvez choisir d'utiliser les variations que vous souhaitez. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 4, 5, 6, 7, break, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7 et 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je le redis, sur la séquence des tachyami, si vous faites le kick ball change sur le troisième tachyami, le break est à gauche, mais peu importe pour la suite, puisqu'on arrive en squat et que notre poids est sur les deux pieds. Après, c'est Takiani. Pour terminer, on a une séquence de half break, deux half break, puis un break. Et on peut remplacer la séquence de deux half break par exemple par 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Donc une course à la place du deuxième half break ou bien du plating. 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6.
et on reprend notre